Voilà mes deux sœurs, hein. Mes deux sœurs, les deux sœurs camerounaises. Qu'un homme comme vous, là, les hommes là, vous êtes en train de maltraiter. Donc quand on a l'occasion, bah, vous lavez les assiettes. Vous n'avez même pas rampé. J'avais fait exprès le rampement. C'était pour rien. Vous avez rampé exprès. L'histoire était là que vous avez rampé dans la maison pendant que l'on a fait le direct. Oh maman, c'était à 13 ans. Maintenant c'est 54 ans. Dans 6 ans, il y aura 60 ans. On n'a pas la force de masser les pieds des gens. Parce qu'elle disait que je pleure quoi. On va aller insulter. Il va continuer à appeler les monocopes à vos lives. Qu'elle est sortie sur vous. Hein. Continuez. Les illettrés comme ça. Mais il faut, si c'est pas même fait écrire, après je vais fuir. Écrire, mais faites-moi, il faut. Continuez. Quand quelqu'un reste, j'arrive pas à vous attaquer. Tout le jour, il m'a mis le mal que non, laissez. Quand un homme, tu vois un homme qu'il a habitué les femmes pas des niasses dehors. Lui, il reste à la maison, il récupère. C'est vrai que c'est la vie de départ. Même avec celle-là, c'est la même chose. Donc, c'est un homme Dieu. C'est pas un homme à considérer. Pourquoi un homme normal, il va se lever, il n'entend pas bouillir dehors, rester dormir toute la semaine avec un vieux kunkuma. Jusqu'à elle, elle ose me chercher son adresse. Vous faites quoi être la je ne vais jamais te clasher. Si vous voulez clasher l'homme, c'est elle que j'ai traité. Tu rêves que tu dois clasher toi. Je ne vais jamais chercher, je ne sais pas si tu vis. Je ne sais pas si tu dors. Je ne sais, si sais même pas ton temps. Tu n'existes pas pour moi. Si elle peut clasher, elle veut clasher l'homme. Mais ça veut dire que j'ai traité. Je ne traiterai jamais toi. Tu as compris? C'est dans la main que tu dis que, gars, appelle la mère de Mouna, vous continuez pour venir votre Mouna. Si les frères, il va dire que moi, je ne veux que moi, passe même pas la Turquie. Là, on la passe. Quand ça commence à passer, il m'a dit que le Mouna est petit, que le petit de quoi? Il peut traverser. Les enfants, ils traversent sur les petits. Donc, je ne peux jamais t'insulter. Jamais. Tu as compris? Jamais, au grand jamais. Parce que la mère du gars, tu insultes la mère du gars, j'ai les boys. Ou elle-même qui m'envoie pour se plaire. C'est quoi, vous faites là, c'est le vous voulez être star avec mon nom. C'est la star moyenne qui t'a amené vers lui. Tu ne l'aimes pas. En quoi que tu as venu faire la concurrence avec moi, toi et moi ne va jamais clasher. Tu restes une sœur camerounaise, tu rêves ça. Ton but, c'est de. Tu peux tout dire ce que tu veux dire. Ton enfant d'après, tu as porté mon nom. Même si il est parti changer, elle a porté mon nom. J'ai l'acte de naissance avec mon nom sur ça. Si je ne sais pas que vous avez au pervers assis, c'est votre problème. Moi, je ne fais jamais le pas avec une femme pour un nom. Jamais. Mais elle était, je l'ai bien maltraité. À cause de moi, elle est partie creuser le sol pour devenir maçon. Oui, je peux faire le travail de maçon, mais il n'y a pas le fils d'eux. Mais il n'y a pas le fils de. Tu vois, moi, tu dois travailler. Et je dors à la maison, couché. Et c'est pas lui qui paye la maison à deux. On ne sait même pas. Mais tu sors, tu vas dire, quand il t'a sorti la voiture, comment on a dit que l'on devait s'en faire, tu vois. C'est qui ont dit que l'on devait s'en faire. Mais maman, nous avons deux maisons à l'état qui se collent. La rosette est longue dedans le direct. C'est ma meilleure amie d'enfance. Devant et derrière. Donc, il a dit que la maison est derrière, c'est une famille polygame. Ce n'est pas parce que la peinture qui nous a manqué pour mettre. C'est une famille polygame. Toutes les femmes, la famille polygame, il y a tous les problèmes. Et quand il y a des problèmes, chacun abandonne. Tu dis que c'est deux maisons qui se suivent. Un devant, un derrière. Une maison, un devant, un derrière, c'est deux. Vous avez compris? Je ne me vante pas. Et quand vous voyez mes enfants, vous voyez que c'est une famille polygame. Dans la famille polygame, il y a souvent les problèmes. Chacun ne peut pas s'engager. Oh, si je m'engage, oh, si vous avez cette maison à cet état-là, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Et repartez encore revoir. Elles sont des jeunes filles. Connaissez-vous combien de jeunes filles? Combien de nos enfants meurent à cause des harcèlements à l'école? Comment, à cause des humiliations? Chères dames, vous êtes des mères de famille. Vous enfantez. Vous souffrez sur les tables d'hôpital pour accoucher. Vous élevez ces enfants-là. Parfois, vous êtes seul. Il n'y a personne pour vous accompagner. Et un petit élève, tu es en tant que le copain de ta fille. A donné les photos de ta fille à une autre femme de publier. Mais je sais pas, comment vous allez prendre ça? Une autre femme, un homme intelligent, un homme qui a une éducation de base. Il ne va pas perdre une seconde à parler de son ex. Il ne te donnerait pas, un homme qui est éduqué, il ne va pas perdre son ex. Si tu vois un homme qui parle de son ex, c'est un pervers. Il fait ça pour t'avoir, pour te manipuler, pour te faire croire que cette femme est tout dans ta vie. Alors qu'elle n'est plus là, elle n'est même plus là depuis. Comment on peut percevoir ça, vous les femmes africaines? Vous êtes venus en Europe, ici en Occident, où il y a des associations qui nous disent en merde. Quand tu as des problèmes dans ta vie, tout le monde nous dit en merde. Ce sont les femmes qui se sont battues pour vos causes. Vous savez, nous bénéficions, ce sont les femmes qui se sont battues pour ça. Mais moi, vous les femmes, vous n'avez pas vous soutenir entre vous. De faire la part des choses. Je peux pas être amie avec toi. Mais faut que tu aies dit que je te soutiens. Je dis, je m'arrête là. Mais que t'encourager, vous encouragez quoi? Vous encouragez quoi? Cet homme est qui? Pourquoi la femme africaine mettre l'homme en valeur? Regardez-moi les femmes. Une femme qui s'est séparée avec un homme. Vous vous moquez de moi. Vous dites que oui, et lui, il y a un homme qui est parti. Il perd temps. Et alors? C'est lui moquer qui s'est séparé avec un homme. Vous voulez que je reste dans cette relation, dans la souffrance? Vous êtes fier de me voir dans infidèle? Vous êtes fier quoi? Vous manquez d'une femme parce qu'elle est séparée d'un homme. Donc vos enfants qui vont marier vont jamais divorcer. Ta fille que tu élèves à la maman, tu es sûr qu'elle va rester dans mariage toute sa vie. Tu es sûr qu'elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle va pas se séparer. C'est quoi cette mentalité là? Un homme qui ne peut rien vous apporter. Il n'est pas riche. Il n'a rien. Même pour vous laisser même une perruque, il n'est pas capable. Comment cet homme qui veut humilier la femme camerounaise dans les réseaux sociaux? Il vous humilie. Il vous salit. Arrêtez ça. Vos familles regardent. Vous avez des enfants qui vous regardent. Qu'est-ce que ça soit l'une ou l'autre? Et quand on va parler, la grande soeur, si tu parles, tu vas faire quoi? Ils sont de plus en plus nombreux. Et il faut au moins trois victimes sévères. Ça veut dire que les deux femmes-là sont victimes de cet homme. C'est écrit. Ils sont de plus en plus nombreux. Trois victimes sévères au cours de leur vie. Donc, chaque pervers narcissique au moins trois victimes sévères. C'est-à-dire que quand il rencontre un pervers dans tout le long de sa vie, il a au moins trois victimes. Il laisse des séquelles. Moi, j'ai noté ça. Je suis allé sur Google pour étudier un peu. Quand ils viennent, ils sont d'abord des très grands séducteurs.
il te met en confiance. Il critique volontairement des personnes de son passé, en particulier celles qui ont partagé sa vie. C'est l'un des mêmes choses qui reviennent très souvent. Ils disent beaucoup de mal de leurs ex, des mots assez violents à l'égard des ex. Il n'hésite pas à critiquer son entourage pour se mettre lui-même en valeur en associant le dénigrement à la comparaison de ses propres caractéristiques personnelles. La séduction est une technique de manipulation. Il ne se remet jamais en question et se détache en permanence de toute responsabilité. Il arrive à attirer l'attention sur lui. Il se sent supérieur. Il n'a pas de grands principes moraux. Ça, c'est comme j'ai noté. Je vais lire vite pour apprendre à développer. Peu importe les conditions de l'empire psychologique qu'il y minéreront, il peut avoir des réactions violentes. Voilà, les réactions violentes, nous avons vu comment il était violent avec notre soeur là. Nous avons vu comment il était violent avec elle. Ils vivent ensemble. Elle vit à Rouen. Une femme arrive à Rouen, il l'amène à la maison, il dit à la femme, c'est la voilà ma grande soeur. C'est la femme, on va pas revenir sur la genèse du passé, pour comment l'histoire s'est passée. Et il commence à vivre avec la fille. Mais à chaque fois, ce qui révèle les réseaux sociaux, dit qu'il avait dit que, maintenant toi, comme il n'est pas violent, nous t'avons vu ici avec des blessures sur les deux bras. Je sais, tu te retrouves avec des blessures. Comment il frappe sur toi? Comment il a fait? Peut-être qu'il n'est pas violent. Donc c'est toi qui étais violent dans le chargeur. Nous l'avons vu à la réunion des Anocélé, en train de se battre avec une femme. C'est toute la violence. Nous avons appris à Rouen, il bagarre dans les restaurants. C'est toute la violence. Donc c'est lui qui est violent. Il t'a menti, Tatiana. Il te parle mal d'elle. Il te dit des mauvaises choses sur cette fille. Parce qu'il veut te faire croire que il n'y a que toi qui l'aimes dans la vie. En dehors de toi, il n'a aimé personne d'autre. C'est faux. Ils ont fait la vie, non, c'est moi qui suis parti. Oh, j'ai essayé, mais je suis parti. Il a dit qu'elle vendait le piment. Elle était une pimentière, ma chère soeur. Pourquoi tu n'as pas posé la question que, en 7 ans, tu ne savais pas qu'elle vendait le piment? En 7 ans, tu ne savais pas qu'elle vendait le piment. Comment ça peut faire? Un homme qui est contre la pimenterie, il ne va pas rester 2 jours. Il ne va pas rester 1 mois. Il va partir. Il est resté là parce que ça l'arrangeait. Parce qu'il est écrit ici que le pervers narcissique aime l'argent. Narcissique attiré par l'argent et le pouvoir. C'est écrit, j'ai noté. Donc, comme il est pervers narcissique, il voit que certaines personnes avaient des entrées. Il est resté là pour l'argent. C'était gigolo. Il est resté là pour l'argent. C'est pas parce qu'il n'aimait pas ça. Il est, si toi aujourd'hui, tu décides de vendre le piment, il va rester avec toi. Il n'ira nulle part. Comment on peut comprendre que depuis 3 ans, un homme qui dit que toi-même, tu es resté en direct. Comment une femme, aussi belle femme comme tu le dis, tu le fais croire à tout le monde. Quand tu es belle, tu es bien formée, tu as toutes les beautés du monde. Une femme qui a la personnalité comme tu le dis, peut venir à mon Dieu vision, dire aux gens que tu crois que je ne sais pas qu'il a une copine à Rouen. Comment toi avec toute ta beauté là, tu peux accepter qu'un homme te trompe? Non, il me dit que tous les hommes sont infidèles. Non, tous les hommes sont pas infidèles. Je peux accepter la tromperie de mon nom quand je suis au courant. Mais quand je suis au courant, tu vas mettre stop. Mais tu acceptes qu'il te trompe. Pourquoi? Parce qu'il a déjà réussi à te manipuler. Il a réussi à mettre en concurrence avec Tatiana. Tu fais croire que Tatiana, elle adore de lui, elle ne peut pas vivre, elle meurt pour lui, parce qu'elle veut mettre la beauté en valeur. Toi-même, tu dis qu'il est beau. Et ça va être beauté là qui vous utilise. Ça va être beauté là qui vous manipule. Quand il est beau, il fait croire qu'il est le plus beau du monde. Non, il n'est pas le plus beau. Il est beau à son niveau. Il est beau, il est ceci. Donc à chaque fois, tu nous parles que ton père est beau. Et il faut qu'il en parle de mon voilà, voilà. Et avec ça, il vous utilise. Il te fait croire que Tatiana ne peut pas vivre sans lui. Voilà, il te ramène tout le nom de Tatiana. Le nom de Tatiana ne peut jamais sortir. Quand deux personnes sont ensemble, pourquoi vous parlez toujours des ex? Pourquoi tu parles des ex? Pourquoi tu m'engages avec lui, avec lui? Il va pourquoi même garder le téléphone de mon ex, de son ex? Tu gardes son téléphone, ton numéro, pourquoi? C'est parce qu'il va te manipuler. C'est parce qu'il te manipule. Tu t'emploies Tatiana pour rien. C'est l'homme la cause. Un homme qui te respecte ne garde pas le téléphone, il sort dans son téléphone. Vous avez dit que oh non, il a dit hier que c'est lui qui t'a passé là. Il ment. Vous allez pas m'appeler mon enfant pour te voir les petits sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas. Il ment. Tu veux qu'il ment. Quand je constate la bêtise, je lui dois être témoin. Je lui dois être témoin. J'ai mis des bagages dans la chambre. La police a lui 8 policiers qui sont chez moi. Tu dis tu sors. On se sépare. Chacun prend sa route. Il a dit aux policiers qu'il n'est pas où aller. Les policiers m'ont dit que madame, c'est le temps, il va partir. J'ai dit bon, en temps, c'est comme ça. On va vivre séparés. Il reste dans la chambre avec toutes ses affaires. Il y avait rien de lui ici. Et les nez étaient dans mon salon pendant 1 mois et 2 semaines. Son là, il venait partir. Et c'est terminé. Quel est le lien aussi? Quel mensonge? C'est comme ça qu'il réussit à manipuler le poids. Parce que c'est la preuve qui est vrai. C'est faux. Je peux vous montrer la vidéo, mais par respect pour ses enfants, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Mais c'est la partie fait quoi cette fille-là comme lui? Oui, c'est moi qui parce qu'il m'a montré la fille que je l'aimais. Non, je l'aimais plus. Je juste suis la femme à ma maman. C'était 8 ans de fidélité. J'en avais marre. Et moi-même, ça pesait pour moi. Et il le sait, il est conscient. Parce que je dis est vrai. J'ai le courage de le dire aujourd'hui parce que je ne suis pas. Je suis perdu, je suis perdu. J'ai trop masqué, j'ai trop menti. Même à lui-même, on se faisait du mal. On se faisait du mal. Que les gens dans le mensonge. Quand le conseil est arrivé, il dit non, tu pars. Il a raconté que moi, c'est lui qui a fait un menteur. Je peux vous montrer les vidéos de la chambre, tout ce qui était dans la chambre là. Je peux vous montrer les vidéos. Et même si la femme peut témoigner, c'est dit ok, je suis en train de partir. Je suis parti, il est parti. Il est parti où? C'est Jadon, retourne avec leur ex. Si elle veut, elle peut retourner avec lui. Voilà pourquoi ces garçons de Rouen retournent toujours Tatiana. Parce qu'ils réussissent à vous manipuler. Mes chers, arrêtez le spectacle là. Arrêtez le spectacle là, c'est sale. Ce sont des femmes comme vous. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de voir un homme qui malmène la femme comme ça? Et devant vos yeux, vous applaudissez. Vous pouvez faire du mal à quelqu'un. Non, vous ne me faites pas du mal parce que ça me dit. C'est là qu'il n'a rien à foutre de vous. Il vous éloigne. Regarde cette note de blogueur qu'elle arrive à Rouen. Elle est entourée de belles personnes. Elle avait annoncé les toutes ces filles de Rouen là, tu l'avais sur l'ambassade, elle était en toi, elle avait la joie, elle était toujours dans l'ambiance, les boutons les dimanches, elle regardait ses lives avec les filles de Rouen l'ambiance. Mais une fois que ces gars-là s'est installé officiellement avec elle, c'est devenu même calvaire pour elle. On l'a pas fait avec les filles de Rouen, on l'a vu plus tard de pleurer, que je n'en peux plus. Mais parce qu'il a réussi à éloigner de tout le monde. Il a réussi à te faire croire que tout le monde à Rouen ne t'aime pas. Ça c'est le pégoïste, c'est pour ça que le pépé n'a rien à faire. Il a réussi à te faire croire que il a réussi à éloigner de toutes les filles de Rouen. Te faire croire que toutes ces femmes des que tu es dangereux, qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont de relation, tu t'es éloigné de tout le monde. Et maintenant c'est lui qui est au milieu et il s'entend bien avec ces personnes-là. Il parle avec ces gens, il connaît ces gens. Mais toi au milieu tu es devenu comme la peste. Voilà pourquoi t'as vu pleurer. Voilà, ce sont les méthodes de pervers narcissique. On t'a vu pleurer parce que tu n'en peux plus qu'apparaître de toi lui seul. Et maintenant je te dis que non, pour être en sécurité, faut que tu quittes la ville. Tu t'es appelé bien. Tu as eu ton âge, pour avoir une chance, c'est facile. La promesse même bien pour l'éducation d'un enfant. Pourquoi ne pas partir à Paris? Parce que tu sens que tu vois le danger partout. À cause de qui? De ce pervers narcissique. Mais par derrière, il pose avec eux. Par derrière, la paix de Tatiana.
Pas des côtés, pas des huit poules à l'état. Et toi-même, tu reconnais qu'il y a d'autres copines dans la ville. Mais comment je peux pas donner des copines dans la ville? Tu mets ta vie en danger, ma soeur. Tu mets ta soeur dans un danger, tu peux même pas t'y arriver. Toi, tu montes le poison, tu meurs. À cause de qui? Il t'a construit l'immeuble. Il peut te construire l'immeuble. Il me l'a déjà d'argent, tout ça, tu ne peux pas voir. Ta vie en danger. Et quand il t'a vie en danger, c'est cet homme. C'est cet homme. Vous voyez, le sang manifeste pendant des années. Quand toi-même, tu vois un homme qui te présente à sa copine, il dit que tu es sa grande soeur. Il réussit à faire l'amour avec toi. Et le temps vous faire assise dans une soirée, j'ai fait d'anniversaire. Sauf que l'homme est dangereux. L'homme là est dangereux. Ce genre d'homme, il faut avoir peur de lui. Ce qu'il a fait à Tatiana, il te fera la même chose. Ça va prendre le temps, ça va prendre de faire ça. Tu vois un homme qui t'a présenté, tu t'es avec Tatiana. Même si tu ne t'es pas mis, mais c'est des connaissances. Il a réussi à vous réunir dans une même salle. Et toi, tu as dit ce jour-là que tu as dit que tu sortais faire l'amour avec lui. Et tu l'as accompagné à l'anniversaire de Tatiana. Il a fait le bisou avec la même bouche, il a fait le bisou. C'est la même bouche qui a fait le bisou à Tatiana. Tu étais là, tu regardais. Tu crois qu'il n'est pas capable de faire avec ta propre salle à la maison. C'est un homme dangereux. Ma chère, c'est pas bien pour parce que moi, je peux aller à mes classes. Il faut arrêter. Cet homme ne mérite pas ni toi ni Tatiana. C'est moi qui me la racaille. C'est moi qui me dis qu'il n'a plus honte. C'est sale. Même pour ta famille, même pour ta mère, elle a honte. Elle a honte. Tu t'es séparé d'un homme. Tu l'as fait croire que le plus dangereux du monde. Mais c'est là qui tu es. On te voit pleurer. On te voit fumer. En plein là où ça ne va plus. Toi-même, tu reconnais qu'il est un pervers narcissique. C'est un manipulateur. Il va détruire ta vie. Et de là, tu as comme il sait que tu vas tout pour le mariage, pour prouver aux gens que je me suis remarié. Il utilise ça pour t'avoir. Il utilise ça pour t'avoir. Il te fait le chantage. Il te dit que tu ne peux rien faire toi seul. Parce qu'il connaît tes faiblesses. Il connaît tes faiblesses dans la mise. Quand tu as voulu dire, comme lui, c'est lui qui m'avait toi-même fait ça dans tes lives. C'est lui qui m'avait aidé. Je n'avais pas de choses. C'est lui qui m'a fait la maison. C'est lui qui m'a fait la papa misère. C'est comme ça, il sait que d'où tu es là. Tu ne peux rien faire sans lui. Il utilise ça pour t'avoir. Et tu viens les réseaux sociaux. Oui, quand tu as l'expérience, tu as sorti autant d'hommes. Tu prends les photos d'une femme. Une femme comme toi. Tu publies dans les réseaux sociaux. Tu es fier de lui qu'elle est laide, ma chérie. C'est qui m'a rendu dur. J'avais plus de sentiments. Parce que j'ai pensé que j'ai failli avoir à cause de cet homme. J'avais la haine. J'avais la rage. Il paye. Et c'est comme ça. C'est compris. À un moment donné, il faut arrêter. Quand vous ne posez pas les histoires des femmes, des manipulateurs. Comment tu veux que toi, une femme qui est la mère des opérateurs, qui représente une marque, tu peux t'en prendre à elle autrement? L'homme a réussi à te manipuler. Il a réussi à te manipuler pour te mettre en guerre avec Tatiana. Alors qu'au fond, ces deux femmes n'ont pas de problème. Si tu as pris son nom, chacun pense à aussi le même. C'est-à-dire qu'il sortait déjà avec notre fille et il se préparait à la séparation. Il savait qu'un jour ça va éclater et avec ses photos, ses vidéos, il va faire le chantage à la fille. Ça, c'est un pervers narcissique. Il cherche toujours à te tenir. Il cherche toujours à faire quelque chose pour vous, demain, après, demain, vous faire du chantage. C'est ça, c'est comme ça qu'ils opèrent. Ça, c'est un pervers narcissique. Il savait un peu, comme si avec notre fille, on fait dans le mois, ma copine n'est pas au courant. Le jour qu'elle sera au courant, je vais tenir ses vidéos pour vous la faire chanter. Parce qu'il sortait déjà avec notre fille dehors. Il savait que tôt ou tard, ça va éclater. Il va utiliser ça pour faire le chantage à Tatiana. Donc elle dit, mais pourquoi tu me filmes quand je vais te filmer? Elle sait le problème de ce jour, il est en vacances. Il dit que quand tu as filmé, il filme la fille. Après, il gâte. Normalement, elle nous dit que non, j'ai trouvé le téléphone de mon gars. Alors, quand tu as trouvé son téléphone de tout côté, comment avec un téléphone qui est tout côté, tu ne cherches pas les trucs dedans. Il faisait quoi avec ça dedans? Tu vois pas que c'est un homme dangereux, ma soeur. C'est un homme dangereux. Ma, je me fais vivre seul. Pleurer le goût, là, que de me mettre avec ces personnes. Je me fais vivre seul. Pleurer le goût, que de me mettre avec cette espèce d'homme. Parce que c'est un homme dangereux. Il est dangereux pour toi, il est dangereux pour Tatiana. C'est un homme qui vous utilise, il vous manipule. Il n'a rien à foutre de vous. Il t'a aimé. On l'a dit ici, là, il y a aussi une partie, on dit qu'il aime, il aime la célébrité. Quand tu es célèbre dans les réseaux sociaux, regardez l'autre qui est parti qui est avec moi. Quand tu es avec moi, il dit que non, je n'aime pas les vidéos. Oh, je ne sors pas dans les vidéos. Oh, c'est là. Oh, je n'aime pas les vidéos. Aujourd'hui, il est devenu quoi? TikToker. Parce qu'il aimait ça. Il aimait ça. Donc, comme il est parti sur vidéo, quand il m'a laissé, il m'a abandonné. D'après ce qu'il a dit, j'ai raconté ça. Pour ne pas rester dans l'obscurité, parce que c'est notre pervers narcissique. Il a utilisé notre femme pour me mettre en concurrence avec elle et commencer les vidéos. Mais je ne le permettrai jamais ça. Je ne citerai jamais cette femme parce qu'elle, je la connais. Je peux l'insulter pendant un an, ça ne finit pas dans ma bouche. Mais je ne veux pas le dire parce qu'elle aussi, elle est une victime. Elle a toujours été sa victime. C'est sa proie. C'est son objet depuis très longtemps. Tu me payes les mains d'enfant. Il n'a pas connu à toi. Demande-lui comment elle est partie de la main de cet homme-là. J'ai envie de la connaître à l'école. Tu te fous de qui là? Tu vas raconter une histoire que tu connais? Tu la connais où? Qu'est-ce que tu m'as pas dit de cette fille? Tu m'as pas dit quoi d'elle? Ta famille ne m'a pas dit quoi d'elle? Aujourd'hui, parti, tu m'appelles mon nom chez elle. Tu peux dire quoi de moi? Quel bandeau de piment? Tu étais mon poussinette. Je vais banquer avec toi. Tu vas dire quoi de moi? Tu vas dire quoi de moi? Donc, ma chère, c'est écrit. Quand il aime les pervers, la fille de la célébrité, il devrait aller quelque part, on parle seulement d'eux. Alors, il t'utilise. Vu que tu es star des réseaux sociaux, tu es connu par d'autres, tu es connu. Tu es depuis 9 ans, on te connaît. Donc, il utilise ta visibilité pour se faire un nom. Le jour où tu le seras avec lui, il va devenir blogueur. T'as ma main. Il va mettre la caméra. Le jour où tu le seras avec lui, il va devenir blogueur pour chercher notre poids. Il va aller chez notre fille qui va venir te rivaliser. Il va chercher notre fille qui va devenir blogueur. Ma part, il va devenir blogueur. Partager. On a dit que j'avais quitté. Je suis avec les pères de 50 ans. Elle dit non. Moi, j'avais pris dans son téléphone. J'ai pris dans son téléphone. Alors que c'est faux. C'est lui qui lui a donné ça. C'est lui qui lui a donné ses photos. Mais protège. Lui se protège. Toi, tu es en prison à cause d'un mec qui couche les femmes devant toi. Même quand on a raconté l'histoire, il m'a fait attention à des mailles parce que tu as fait creuser ta propre tombe. Tu as fait creuser ta propre tombe. On se maille pas pour faire plaisir aux gens. On se maille parce qu'on est sûr de l'amour. Parce que lui m'avait dit que tu es la seule femme que j'ai. Mais tu fais bon. La femme m'a dit qu'il a dit que tu peux pas bien. Non mais attends. Donc, mais arrête un peu, franchement, ma gamine. C'est pour ça que les méthodes de pervers narcissiques. Ce sont les méthodes. Il t'a dit que tu peux pas bien puis que le don en 7 ans il mangeait quoi, gars? En 7 ans il mangeait au restaurant. Donc en 7 ans il mangeait au restaurant. Elle ne peut pas bien manger. Oh putain. Donc comme il a dit que tu peux pas, tu vois, il a réussi à te monter contre l'autre. Mais là je vois son pour la nourriture. Je te vois ça dit que lui, oh quand mon gars va rentrer, il va bien préparer. J'ai fait le bongo, j'ai fait le pépé soup, j'ai fait tu montes, tu ventes. Un homme qui est capable de te donner l'argent. Quand tu as besoin de l'argent, il veut le litchi. Mais attends, l'homme pour qui tu peux pas donner l'argent.
Non, mais attends, si tu te vends, tu ne peux pas être pour un homme. Oui, je ne peux pas pour lui, je ne peux pas manger quoi. Celle qui te regarde là, son gars n'a même pas mangé. Celle à qui te demande le litchi là, celle qui te regarde, tu ne peux pas les bons mères à son mari là. Elle n'a même pas le temps de préparer son gars. Parce qu'elle est en France. Après, il y a des obligations. Elle est sortie le matin, elle est rentrée le soir. Elle est rentrée fatiguée. Son homme aussi est rentrée du boulot. Son homme n'est pas là parce qu'elle travaille. C'est lui qui va voir la cuisine, bricoler quelque chose pour lui. Mais tu demandes qu'elle te donne ton argent. Alors que l'homme, quand tu es à la maison, tu prépares tous les jours. Chaque matin, tu vas faire tes courses, tu prépares les banques. Elle au travail, tu écoutes les écouteurs. Elle dit que ouais, voilà, fille, je peux pas bien pour son mari. Ouais, ma pas de mari. Il va rentrer, il va manger la pizza parce que je suis au travail. J'ai pas le temps de faire la cuisine. Lui, il va rentrer, il va bricoler parce que tous les hommes en maison les cuisiniers. Il rentre cuisine. Même ma pas cuisiner, hein. Quand parce que moi, je peux pas payer ses mari pour moi. Je m'en fais manger sa bien sur mes doigts. Il est très fort en grillade. Quand il met les mains, soit il mange sur mes doigts. Donc voilà comment tu dis que tu as réussi à manipuler ma chérie. Tu fais quoi quand tu es une bonne cuisinière? Ta place à la cuisine. En même temps, la femme qui te regarde, elle travaille à l'hôpital ou dans les personnes âgées. Elle peut être dans une ville autre que la ville où elle habite. Elle part peut-être le lundi pour rentrer le vendredi. Attends, son gars, son mari quand il rentre à la maison, il est obligé de rentrer, entrer à la cuisine pour faire manger. En même temps, ton gars qui n'a pas, ton gars qui est bien nourri, à la fin du mois, tu dis que les PME le lundi cotisent moi. Non, gars, c'est sérieux ça. Ton gars mangeait bien. Mon gars ne mangeait pas bien. Mais j'ai cherché l'argent. Il m'a pas l'argent. Donc l'argent, pourquoi tu pas faire des projets avec un nom quelqu'un qui mangeait bien tous les jours? Mais il faut te bête. Il faut te bête pour faire ça. Fais-le en cachette. Fais-le ma cachette, parce qu'il a appris comme une cuisinière. Donc, il a fait quoi que tu es la meilleure cuisinière du monde? En 7 ans, il mangeait quoi? Il a vécu 7 ans avec Tatiana. Mais même un an, c'est 2 ans. Il a vécu 7 ans avec. Donc, en 7 ans, il mangeait la merde, quoi. Hein? En 7 ans, il mangeait la merde. Mais il était là. Mais pourquoi tu l'avais posé la question? Pourquoi tu étais là? Pourquoi tu l'as jamais posé la question? Tu ne l'aimais pas comme tu dis. Mais pourquoi tu étais avec? Donc, il est gigolo alors. Marie, toi, il va te dire qu'il n'est pas gigolo. Qu'il est le meilleur homme du monde. Que lui, il ne peut pas faire ça. Que avec elle, marché. Tu vois, il réussit toujours à manipuler. Donc quand tu dis que machin, tu me fais peur aux gens, c'est que tu as fait à Tatiana, ça fait la deuxième fois que tu publies cette femme à cause de ces gars. Tu ne seras jamais heureuse avec cet homme. Parce que c'est un pervers narcissique. Il va te faire subir la même chose. Voilà pourquoi tu as déjà compris. Tu as compris ça. Voilà pourquoi tu as dit hier que toi-même tu n'allais pas le suivre. Parce que tu te prépares à la riposte. Donc toute une vie, tu vas les battre sur les champs. Est-ce qu'on vit avec un homme avec parce qu'on a peur de lui? Celui qui est sorti de la maison là, je n'ai pas grand chose sur lui. Mais j'ai déposé une plainte, j'ai déposé une main courante à la police des Reims. Quand j'ai écouté le voice. Je l'ai dit aujourd'hui parce que moi, en direct, j'ai déposé une main courante. Et j'ai déposé, je suis prêt à porter plainte pour qu'à mon citation directe. Et ça ne blague pas. Mandat d'amener direct sur le procureur. Dès que je vois, l'autre avait fait, ça ne venait pas de lui. Lui, et il a payé le prix fort. Parce que c'est ça qui a causé le divorce entre sa femme et lui. Parce qu'il s'est comporté comme un vrai homme. On m'a tout dit de l'attacheur. Quand l'histoire est sortie, il a pris son téléphone, il a dit stop, je ne suis pas d'accord. C'est toi. Et quand il est rentré du Cameroun, ça l'a valu un an dehors, hors de chez lui. Parce qu'il a défendu la cause d'une femme. Il m'a appelé à aller chier devant les autres parce qu'il était manipulé par des femmes qui voulaient salir Tatalo. Et comme il est maladroit, il a dit qu'il fallait pas. Voilà pourquoi j'ai dit bon, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné pour ça avec les abeilles. J'étais vu en clash dans les réseaux sociaux. Tu faisais pitié. Voilà pourquoi un matin, je me suis levé. Quand tu m'as appelé, j'ai dit que je sois en départ, je vais souvent venir aboyer dans tes lives. Parce que j'ai vu une femme abattue, qui manquait d'équilibre, une femme assommée. Une femme qui faisait semblant d'être forte alors qu'elle était déjà abattue. Tu t'es vu quand tu faisais les clashs? Tu étais l'ombre de toi-même. Tu étais l'ombre de toi-même, tu étais faible. Tu ne peux pas faire les clashs avec l'armée des abeilles. C'est très dangereux. Ne te frôle pas eux. Tu n'es pas forte dans le clash, le faux bruit. Tu ne peux pas insulter le clash, insulter sa mère, le père, l'enfant. Quand tu ne te gênes pas à insulter les parents de Tatiana qui a préparé un jour, qui t'a accueilli un jour dans sa maison, en tant que sa belle-sœur, tu te moques, tu dis que tu vas déterrer ses parents. Cet homme-là et toi, ça va nous trouver dans l'état. Ça va nous trouver ici, que Dieu nous prenne longue vie. C'est toi-même qui viens d'en parler. Comme tu as parlé hier, tu as dit qu'il est un pervers narcissique. Toi-même, tu viens d'en parler. Et il ne va pas te louper. Parce qu'il va gêner ses copines qui va te répondre. Elle sera aussi plus grise. Voilà le schéma. C'est un dangereux pervers narcissique. Comme il a trouvé que tu es le démon, que tu n'as pas de retenue, tu n'as pas fait la part des choses. Tu sais quoi? L'homme avec qui je vivais ici là. C'est pas la première fois qu'on se sépare, parce que c'est pas une fois pour je crois 6 mois comme ça. Quand j'étais avec l'attacheur, j'étais parti rejoindre l'attacheur. Il est parti s'est installé avec une fille à Compiègne. Une fille d'Arantée à Compiègne. Quand il était avec la fille là, il a raconté à la fille comment je l'avais forcé pour pas faire certaines choses. Bon, moi je vais pas entrer dans les détails. Il m'appelle mon nom chez la fille et tout. Quand j'ai repris avec lui, il n'a pas dit à la fille. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a donné une vidéo de cette fille où elle suce sa bite. Elle suce sa bite comme ça. La fille a 5 enfants. J'ai cette vidéo là. Je l'ai déjà supprimée. Une vidéo, on voit bien son visage. Ou elle a dit que cette fille a 5 enfants. Elle s'appelle Demonaco. Elle s'appelle Demonaco. Cette fille partait me suivre dans les de Mayansel. Elle partait me suivre dans l'étude FDL. Moi, il y a bien un jour, dit qu'elle va publier ça. J'avais coupé une petite partie, j'ai envoyé à ma soeur. Dit qu'elle voit ça, la fille, elle va faire attention. Les gens qu'elle ramasse, elles font entrer dans leur maison. Elle ne connaît pas un gars. Tu rencontres un gars parce qu'il a une avec une fille, elle est avec sa copine. On s'est séparés, vous n'êtes séparés. Tu prends l'homme. Tu amènes l'homme dans ta maison avec tes enfants. Tu ne connais pas qui il est. Tu commences à prendre partout que c'est mon fiancé. C'est la même chose, c'est la même chose. Après, c'est compris, c'est depuis le Cameroun. Toi, tu le connaissais où? Tu commences à prendre partout que voilà mon gars, on va se fiancer. J'ai les vidéos là où tu suces. Donc moi, je vais prendre les vidéos de cette femme. Je vais donner dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Étant dans la maison, mon père, tu regardes mon direct. Quand tu dormais ici là, bloqué de l'état. Et si moi, arrêté, tu allais moi dormir chez la tâche. J'ai fait une semaine là-bas dans le pia. Il avait dans, il me brise le poisson, il ne peut pas, il peut, je mange. On dort, mais si on fait les commentaires, les mecs, les faux profils, ils clashent. Il est suivi dans les faux profils, mais les gens, tu vois, ils clashent pour toi, ils. Et quand John, mon gars, s'occupe pas de lui. Il m'a mis assez bien. Donc, je n'ai pas le temps d'appeler les hommes de Paris. Je n'ai pas le temps là. C'est madame la tâche à commencer à me détester. Quand t'as compris à l'aéroport, tu prends au cas où tu m'appelles plus. Même si tu veux arriver rien, tu parles, tu me rends de voir plus là sur son mot. C'est comment tu es où? C'est là où mes problèmes de la tâche à commencer.
Quand vous dites, voilà tout mon problème, la cassette a commencé. Quand je suis dit, maman, compagne, la réponse. Dès que je suis en train de voir la maman, jusqu'à tape, même appelé pour dire que si je vais l'arriver, je vais la société. Je me laisse le matin, je n'ai pas compagne en gars. Elle n'a rien à m'appeler, mais parce que là, on a cassé, moi, c'est bon, la tête, c'est que. Moi, il y a le bon plateau, quand vous faites quoi avec vous, papa. Je sais que vous allez voir si. C'est quoi il faut vous faire? Oui, il faut vous faire ça, je demande à mes soeurs d'être des femmes fortes comme moi. N'écoutez pas ce qu'ils ont raconté là, c'est le pleur du bonhomme. Je leur ai fait ça dur, sans basé, sans pitié.